Les homélies de Madame Boyotte exercèrent une certaine influence sur l'esprit et l'âme de sa filleule. Mais elles ne changèrent en rien le fond de son tempérament et de son caractère. La jeune fille, à la vérité, avait plus peur de la houssine que tous ces sombres tableaux par lesquels on avait essayé de frapper son imagination. Aussi se conduisit-elle de façon à n'être plus fouettée par sa nénène et à ne pas tomber sous la main d'un de ces impitoyables correcteurs ambulants. Malgré cela, on ne pouvait pas dire que Zune était le type de la bonne enfant. Elle n'en avait que quelques traits. Si elle était plus ou moins docile, si parfois elle bougonnait en aparté, elle faisait preuve, cependant, d'une belle endurance au travail, qualité qu'elle tenait de ses parents. D'une activité d'abeille, elle mettait la main à tout. Elle était à la cuisine et à la boutique. Tantôt elle faisait la lessive, tantôt, d'un pas guilleret, elle allait s'acquitter de quelques commissions au bord de mer. Se couchant tard, elle se réveillait tôt. À l'angélus sonnant bain. on remarquait toujours dans la cour de Madame Boyotte le rouge éclat d'un bois peint. C'était Zun qui allumait le feu dans un réchaud. En un tournement, elle lavait vaisselle, marmites et chaudières, puis préparait le café. Sans se reposer, elle allait en toute hâte, en jetant des regards à droite et à gauche, vider de gros carolines dans le marché ou les rigoles du voisinage. Ensuite, un sac sous le bras, elle se rendait chez le boulanger. À peine rentrée avec les pains tout chauds, elle ressortait de nouveau une digdale sur sa tête. Elle prenait la direction des fontaines de la terrasse où un tas de garçonnets et de jeunes filles, faisant un vacarme de tous les diables, puisaient de l'eau à tour de rôle. C'est près de ces fontaines que Zun eut ses premières querelles, ses premiers contes. Elle faillit tuer d'un coup de tête un petit insolent qui, dans cette cohue houleuse, avait osé la manier. Elle blessa d'un coup de pierre une de ses camarades, parce que celle-ci, à propos de Bagatelle, l'avait traitée de Negesmon. Enfin, c'est près de la terrasse qu'elle fit mordre la poussière à un nommé Penguelengua, grand brin qui, la voyant si robuste et si appétissante, pensait qu'il pouvait lui parler impunément de choses qu'elle ignorait encore. Le pauvre, il ne fut délivré de ses étreintes que grâce à l'intervention de Bostadas qui passait celui-ci du plat de son égoïne donna plusieurs fessées à la jeune fille qui couchée sur le ventre du jeune homme l'étranglait de ses mains frémissantes je dois vous dire mon ami que c'est à partir de cette époque que zone commença à attirer les regards sur elle un des voisins de madame boyot un homme d'un certain âge et qui jouissait d'une honorable réputation fut à ce point épris de cette garde mantague qu'il se réveillait régulièrement tous les jours entre trois et quatre heures du matin. Il se mettait au guet. Sitôt qu'il percevait un bruit de pantoufle, et qu'il voyait Zoom sortir de sa barrière, il partait à sa poursuite. Pst! Pst! Fatigué de lancer vainement cet appel, il se contenta de la suivre longtemps, sans rien lui dire, comme un petit chien tenu en laisse. Une fois cependant, n'en pouvant mais, il porta une main audacieuse sur elle. Zun le mordit au pouce et poussa des cris qui le firent détaler comme un cerf. C'était une botte de repos, car plus jamais ne revint à la charge ce barbon amoureux qui, en plein jour, était l'homme le plus sérieux de la République. « Pour une victoire, c'était une victoire. Mais Zoum, bien qu'elle sortit saine et sauve de ses escarmouches, savait déjà ces mots brûlants qui font éclore les désirs et qui mettent comme une douce chaleur dans le sang. »